Fais grâce, bien-aimé, après que nous ayons terminé nos premiers 42 jours de l'année, c'était hier. Nous commençons aujourd'hui notre année complètement dédicacée à Dieu. Amen. Aujourd'hui, tu peux dire, oui, j'ai l'assurance que tous mes jours de l'année sont protégés. Et tout ce que je ferai, n'est-ce pas, cette année, l'Éternel Dieu m'assistera toujours. Dieu est également prêt et disposé à dire que je n'aurai peur de rien parce que l'Éternel Dieu est mon seul secours. Tu es également disposé à dire et à croire que quel que soit les vents, les marées qui pourront bien sûr s'élever contre toi, l'Éternel Dieu t'en fera toujours sortir vainqueur. Marchez maintenant dans une conscience de supériorité. Marchez maintenant en prenant bien sûr l'autorité, n'est-ce pas, dans tout ce que tu vas faire. Et ne désespérez plus jamais concernant des situations ou des choses. Commencez à avoir de la conviction, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu, et le Saint-Esprit vous accompagnera toujours. Sinon, je voudrais que nous puissions parler ce soir. Le Saint-Esprit et la liberté du croyant. Je vous prie de vous asseoir. Dites à ton voisin, le Saint-Esprit et la liberté du croyant. Oh, gloire à Dieu, bien-aimé. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que Dieu est représenté dans son entièreté en tant que le Père. Nous voyons également dans son entité en tant que Dieu. N'est-ce pas? Il est également le Saint-Esprit. Également dans son entité, également, n'est-ce pas? Il était descendu comme étant la chair, mais le fils qui était descendu physiquement sur la terre. Laisse-moi te dire, bien-aimé, si vous ne savez pas, le Saint-Esprit, c'est un personnage très important
mais pour lesquels beaucoup également des croyants ne savent pas l'utiliser et ne savent même pas comment il fonctionne. Il est l'exécuteur bien-aimé de la volonté de Dieu. Pour vous lire un peu dans la Bible, bien-aimé, une image, n'est-ce pas? Pendant la création, nous allons comprendre un peu le début de ces choses. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, au verset 2. Que nous lisons cela un peu, s'il vous plaît. Genèse, chapitre 1, le verset 2. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Amen. L'Esprit de Dieu s'est mouvé, n'est-ce pas, au-dessus des eaux. Plus tard, cet esprit a été donné aux croyants dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas, à l'Église, comme étant le consolateur et un guide, bien sûr. Et nous ne pouvons rien faire, bien-aimés, sans la présence, n'est-ce pas, de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Rien faire de meilleur. Si nous ne demandons pas l'assistance, n'est-ce pas, du Saint-Esprit d'entrée. Et je pense que ça devrait être la vie et la prière de chaque jour. Seigneur, remplis-moi de ta présence. Remplis-moi, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Oui, l'Éternel Dieu connaît nos faiblesses. Mais si vous êtes rempli de cette grâce et de la présence du Saint-Esprit, il ne permettra que vous soyez tentés au-delà de vos limites. L'Esprit également te dit que dans la présence du Saint-Esprit, votre conscience va commencer à fonctionner dans la crainte de Dieu. Vous allez voir que vous serez déconnecté du sentiment de ce monde. Le Saint-Esprit va devoir vous orienter dans votre marche. Pendant que les gens se retrouvent en train de chanter et danser dans des nightclubs, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'auras plus le désir de ce monde ici. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas étonner maintenant le monde. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va habiter maintenant toi. Quand les chrétiens naissent de nouveau, malheureusement, la plupart n'arrivent pas à garder cette grâce. Ils n'arrivent pas à nourrir l'esprit qui est en eux. Alors, ils sont plus emportés par la chair. Ce qui fait que leur vie est plus dirigée par les sentiments de la chair. Alors Dieu n'est plus là. Tu pourras te dire que je suis chrétien, mais cela ne restera qu'un slogan. Je voudrais que pendant que nous avons compris, que vous avez compris, qu'il est votre seul protecteur, qu'il est votre créateur, et qu'au travers élève de la croix, il vous arrache un grand prix. Pour que vous puissiez désormais être ses enfants d'adoption. Dieu voudrait que vous veniez à lui, bien-aimé,
en toute simplicité de cœur pour que vous compreniez que la vie que vous aviez avant, que vous baigniez avant, n'était pas votre vie. Vous savez, bien aimé, quand le Seigneur Jésus-Christ était mort et qu'il était monté au ciel, il avait promis qu'il nous enverra, n'est-ce pas, un consolateur. Et le consolateur qui devrait être avec nous, c'était bien le Saint-Esprit qui devait nous guider, qui devait nous convaincre du péché et du mal. Sans la présence du Saint-Esprit, il sera difficile d'être propre devant Dieu. Il sera difficile à différencier le mal du bien. Alors que, pas plus qu'hier, le Saint-Esprit nous a conduits dans un temps merveilleux ici. Le choix et les conséquences. Tu peux facilement faire un choix aujourd'hui parce que tu en as le libre arbitre. Mais tu ne seras pas déterminé les conséquences de ce choix-là demain. Tu pourras faire un bon choix que si tu es conduit par le Saint-Esprit. Le choix, les conséquences, c'était le thème qu'on avait vu hier. Nous avions vu, ils avaient remarqué que beaucoup ont fait des erreurs dans la vie. Et aujourd'hui, ils sont en train de vivre ces conséquences-là. Parce que ils avaient décidé de faire un certain choix. Bien aimé, dans le livre de Jean 14, verset 17, il nous est dit ceci. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera, n'est-ce pas, en vous. La parole de Dieu voulait nous dire que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, c'est quelqu'un que Dieu, n'est-ce pas, ne connaît plus non plus parce que il est comme quelqu'un qui vit sur la terre, mais comme un animal. Il vit selon le monde. Tout en étant sur le monde ici, croyant qu'il est en train de prier, mais lui-même se livre comme étant un candidat, comme nous le disons souvent, comme de la proie pour le ventre du serpent ancien. Parce que, comme nous le savons tous, à cause du péché, la mort était entrée dans la vie. À cause du péché, les maladies sont rentrées dans la vie des gens. Il y a même ceux-là qui aujourd'hui ou après-demain ou quelques années, les maladies sont déjà programmées à cause du péché que les autres ont fait à l'époque. Mais gloire à Dieu pour ceux qui comprennent, qui viennent à Christ. Pour ceux qui comprennent, qui doivent se répentir. Vous savez, comprennent qu'ils doivent changer leur vie. Vous savez, comprennent qu'ils doivent briser des liens des générations. Le Seigneur est juste pour les accepter dans son amour. Afin que personne ne paye alors les dettes spirituelles de la sorcellerie de ses parents. Cela ne sera possible que si nous cherchons sincèrement Dieu. Et en toute vérité, sincérité bien sûr du cœur. Malheureusement, pour la plupart de ceux qui se disent chrétiens, ils ne viennent à Dieu que quand ils ont des problèmes.
Peut-être parce qu'ils sont malades. Peut-être parce qu'il faut aller une fois le dimanche à l'église. Parce que les autres, ils vont également, bon, autant les accompagner. Mais ils ne viennent pas par conviction de cœur. L'Esprit de Dieu n'est pas là. C'est comme cela que devant les tempêtes de la vie, ils s'éclipsent et ne viennent plus. J'ai remarqué un cas qui était ici, j'ai parlé à une soeur, c'était dimanche, elle a eu des prières. Quand j'ai vu sa santé, j'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ça peut être une année que je l'ai vu à l'église. Et ça, il m'a dit, je me disais, mais c'était ou c'est pas elle? Effectivement, c'était elle. Mais je voyais sa santé, non, ça ne représentait plus la personne que je connaissais. Et je l'ai découvert à la ligne des prières, dimanche. C'est comme cela pendant la prière. Les géants de CMP vont manifester en elle. Oui, nous l'avions placé dans la distraction. Ne pas venir à l'église, c'est de cette façon-là que nous l'avions attaqué. Nous l'avions injecté un virus. Et il doit mourir. Elle a commencé à pleurer après cela. Je dis, mais n'attendez pas qu'il soit tard pour venir chercher Dieu. Pourquoi on a attaqué la fille? C'est là où j'apprendrai que pendant que nous faisions des prières ici, pour se déconnecter de la puissance du royaume forestier, et que nous libérions ici le feu. Ils ont un arbre maléfique dans leur parcelle. Cet arbre-là aussi avait pris feu. Pendant que nous prions ici, l'arbre avait pris feu. Alors que beaucoup d'alliances ont été faites avec cet arbre parce que beaucoup sont nés et grandis là-bas aussi dans la parcelle. Alors, à cause de cela, ils devraient s'attaquer maintenant à tout ce qui était faible. Pour deux qui viennent ici, il n'y a pas de problème. Mais quant aux autres, non, c'était leur cible. C'est comme ça qu'ils ont perdu même leurs grands frères il y a une ou deux semaines. Je l'apprendais seulement ici que parce que l'arbre a pris feu, on a libéré le feu ici et que l'arbre maléfique a pris feu dans le passé. Donc, tout celui qui n'est pas protégé sera frappé. Voilà comment l'ennemi s'est organisé pour flanquer des maladies dans les corps des gens. C'est là où je voudrais t'exhorter en te disant ceci. Ce monde ne t'appartient pas, comme j'ai dit souvent. Et Dieu t'a amené ici et a permis que tu comprennes les enseignements ici pendant ces 42 premiers jours. Et à partir seulement de toi, même ta famille a été protégée et libérée. Les alliances faites avec les eaux ont été brisées. Les alliances faites avec la forêt ont été brisées. Avec la terre ont été brisées. Maintenant, c'est à toi de pouvoir t'accrocher à Dieu. Parce que tu deviens un élément dangereux. Le fait d'avoir découvert et connu leurs secrets. J'apprenais ici, c'était dimanche. Oui, nous avons tué son frère brusquement parce que, à cause de vous ici, à cause de votre soeur qui vient là-bas, l'autre arbre a pris feu. Je dis à quelqu'un, accroche-toi à Dieu.
Accroche-toi à Dieu parce que tu deviens dangereux toi aussi. L'ennemi n'est pas pressé de t'avoir. Il va te laisser juste le temps pour te distraire. Et quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi qui va te diriger, te conduire, tu auras des problèmes après. Que Dieu nous fasse grâce pour que vous soyez revêtus d'une onction spéciale aujourd'hui et que le Saint-Esprit vous dirige désormais, n'est-ce pas, sur une voie meilleure afin de ne plus retomber dans les erreurs passées ou les erreurs du péché ou de la chair. Je dis à quelqu'un qui nous lise Romains 8, verset 9 à 10, s'il vous plaît. Romains chapitre 8, 9 à 10. Romains chapitre 8, les versets 9 et 10. Je l'ai au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'Esprit est vie à cause de justice. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ peut transformer votre vie. Bon, la bon, moi, oh, l'histoire, n'est-ce pas, de Saul. Tasse qui est devenu Paul avant qu'il soit visité par la lumière du Saint-Esprit, qu'il soit visité par l'onction, c'était un criminel. Il était là pour terroriser et faire tuer les chrétiens. Il était un docteur de la loi, il connaissait beaucoup de choses. Il était trop imbu de lui-même parce qu'il était intelligent. Il connaissait, beaucoup, il a étudié. S'il avait dit ça à l'époque, il avait fait les plus grandes universités à l'époque du monde. Mais le jour qu'il a rencontré la lumière du Christ, la lumière de Dieu, sa vie avait complètement changé. C'est pareil aussi avec toi. Tu es un chrétien, bien sûr. Mais ta vie, elle vacille. Je te condamne pas, s'il vous plaît. Ta vie est en train de vaciller. Une vie de tantôt plutôt. Tu as difficile à te débarrasser des fois des idées de la chair, de ce monde. Je ne suis pas là pour te condamner, mais c'est pour te dire qu'en cherchant Dieu et qu'en implorant la grâce de Dieu pour que le Saint-Esprit vous localise, vous allez oublier ce désir-là de ce monde. Vous ne serez plus attaché maintenant à chercher à servir Dieu. Les gens vont s'étonner. J'ai vu des prostituées qui ont rencontré la lumière de Dieu, qui ont été visités par Saint-Esprit, qui sont devenus aujourd'hui des évangélistes et des grandes servantes de Dieu à travers le monde entier. J'ai vu ceux qui étaient des brigands, ceux qui étaient des gens terribles, qui étaient des assassins. Mais quand ils ont été visités par le Saint-Esprit, leur vie n'était plus restée, n'est-ce pas, les mêmes. J'ai vu des prostituées. J'ai vu des hommes qui n'ont jamais été sérieux dans leur vie et menaient une vie désordonnée du matin au soir. Chaque soir, ils se retrouvaient dans des bistrots. Ils devaient tout faire pour trouver de la sérieux pour le soir. Mais dans tout cela, quand Dieu les a protégés pour ne pas tomber malades, ils sont venus à Christ. Ils ont trouvé que tout cela, c'était de la boue. Je dis à quelqu'un que ton vieil homme meurt au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tout ce qui t'empêche de servir Dieu, qu'il te trouve cela comme de la boue.
Amen. Qui disait comme cela? C'était quel apôtre? Paul. Quand il a connu Christ. Quand il a été visité par la lumière du Saint-Esprit. Tout ce qu'il faisait avant, il a trouvé cela comme de la boue. Je dis à quelqu'un, vous devez désirer l'onction de Dieu. Vous devez chercher à être dans la profondeur, à connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Et ce désir-là ardent de chercher Dieu. D'être rempli d'une onction, alors une onction sans limite. Je dis à quelqu'un que l'onction fait la différence. Et par quoi Seigneur? Si tu as l'onction, aucune maladie ne pourra rester dans ton corps. Si tu as l'onction, aucun échec ne pourra encore être ton lot. Si tu as l'onction, aucune tribulation parce que avec l'onction, les jugs seront brisés. Avec l'onction, tu feras des choses terribles que l'œil n'a jamais vu, que l'œil n'a jamais entendu. Avec l'onction, tu peux appeler l'argent et venir, l'argent viendra. Le travail, le travail viendra. Mais tout cela ne se fera que si vous avez l'Esprit de Dieu en vous. L'onction, c'est plus que l'argent. Et par quoi il est? Si tu as l'onction, tu peux prier si quelqu'un devient chef de l'État. Si tu as l'onction, tu peux prier sur quelqu'un de milliardaire. Si tu as l'onction, tu peux prier sur quelqu'un et Dieu fera des choses extra. Avec l'onction, tu peux quitter de la pauvreté à la richesse. Avec l'onction, tu peux quitter du piéton à quelqu'un qui a dit avec l'onction. Tu peux quitter même le statut de locataire pour être propriétaire avec l'onction. Mais est-ce que vous connaissez cela? Après ces 42 premiers jours de l'année, les jours sont dédicacés à Dieu. Si vous croyez, vous pouvez maintenant appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Vous avez commencé aujourd'hui à appeler les premiers 42 jours. Ceux qui seront sérieux, ayez prié et assuré et qu'ils soient revêtis de l'onction du Saint-Esprit aujourd'hui. Amen. Mais il faut savoir seulement les garder. Il faut chaque jour lire la parole de Dieu. Ne manquez pas au service des cultes. Soyez plus attachés et développez encore ce désir-là ardent. De chercher Dieu et de connaître Dieu. L'onction le Saint-Esprit va changer beaucoup de choses dans votre vie. Ça va changer même votre carrière. L'onction amène les percées. L'onction amène l'élévation. L'onction amène beaucoup de choses, la guérison tôt. Et ça, c'est la portée des chrétiens qui sont nés de nouveau. Ils comprennent que Dieu est capable, s'ils cherchent Dieu. Si tu n'as pas l'onction du Saint-Esprit, le désir de la chair va t'attirer chaque fois. Pour plaire au monde. Regarde, c'est comme cela que tu as difficile à t'abandonner du péché caché. Je ne te condamne pas. Dépend seulement la présence du Saint-Esprit. Et Dieu te fera grâce. Quand on lise Luc 4, 18 à 19, s'il vous plaît. Luc chapitre 4, du verset 18 au verset 19. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il avait pris le rouleau,
Et il a ouvert sur le livre prophète Ésaïe. Il a juste lu cette partie dans Luc. Mais quand tu pègues à Ésaïe, tu vas lire cela. Mais ceci a été annoncé bien avant qu'il soit né par le prophète Ésaïe. Mais quand le moment était là, quand il a enseigné dans la synagogue, il a pris cette partie pour lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Cet esprit-là, bien-aimé, quand il est monté, il a libéré la grâce de l'Esprit du Saint-Esprit qui devait être sur tous les chrétiens et pour tous ceux qui marchent, n'est-ce pas, conformément à Dieu, à la parole de Dieu. Ils ont la grâce et la facilité de recevoir une grâce, une onction particulière pour que Dieu agisse dans leur vie. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Ah, il a été oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Parce que l'Esprit du Seigneur était sur lui. Le Dieu était sûr. Donc, il avait l'onction nécessaire. Il avait cette onction du Saint-Esprit pour traiter même ceux qui ont des cœurs brisés. Vous savez, les gens qui ont connu des déceptions, qui ont connu des problèmes de rejet ou de l'amertume, souvent il est difficile pour eux de trouver un médicament, même s'ils vont aller voir des plus grands médecins. On va lui donner des calmants, Mais la guérison du cœur brisé, avec l'onction du Saint-Esprit, Dieu va changer les choses. Si vous croyez, celui qui a le cœur brisé aujourd'hui sera restauré et guéri. Amen. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. As-tu un cœur brisé? Est-ce que vous avez un témoin? Ou la question de ton voisin, as-tu un cœur brisé? Peux-tu lever ton doigt? As-tu un cœur brisé? On a posé cette question. Est-ce que as-tu un cœur brisé? Qui voudrait que le Seigneur lui fasse grâce aujourd'hui? Alors je pose la question, as-tu un cœur brisé? Le Seigneur te fait la grâce si tu crois réellement. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, comme il l'a fait pendant ses premiers 42 jours. Et également, toi qui restes encore, tu n'arrives pas à te détacher de certaines choses. Et aux aveugles, les recouvrements de la vue, pour envoyer libre les opprimés, publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Je dis à quelqu'un que, parce que tu as connu Christ, tu es venu à Christ, que tu marches, n'est-ce pas? C'est selon Dieu que tu es rempli de la grâce de Dieu. Chaque jour, comme tu as dédicacé l'année à Dieu, chaque jour sera un jour béni pour toi. Amen. Et tu es en train de vivre une année de grâce du Seigneur. Quand les jours sont dédicacés à Dieu. C'est tous les mois également qui sont dédicacés à Dieu. Je dis à quelqu'un que vos jours seront toujours meilleurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Vos mois seront toujours meilleurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Et l'année restera toujours une année bénie pour toi. Amen. Une année de la résurrection de Christ. Amen. Et cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire ceci. Quand nous pouvons voir dans la Bible, dans les actes des apôtres, ce que l'onction du Saint-Esprit a fait comme vague pour nous empresser d'être revêtus de cette grâce-là. Quand tu as l'onction, quand tu es revêtu de ton Saint-Esprit, tu peux aller quelque part, là où toutes les portes ont été fermées pour des gens. Mais quand tu arrives là-bas, la porte sera ouverte à cause de toi. Quand tu as l'onction du Saint-Esprit, même si on a dit que là-bas,
quand vous passez là, tout ça, vous serez agressé. Avec l'onction, tu vas passer sans que les ennemis puissent te voir. Parce que l'armée de Dieu va t'entourer. Amen. Parce que l'armée de Dieu Tout-Puissant va t'entourer. Amen. Une fois, je disais ici, non? Quand on était encore là-bas sur. L'église était encore là-bas. Où ça? Grâce à vous. Il y a 2 ans passés, bien sûr. Mais derrière, hein? C'était toujours pendant les prières des 42, le premier jour. Là. Après cela, je suis déplacé pour aller à l'étranger. À cause seulement des prières là-bas où on a dit que. Pendant ces 42 jours, on dédicace l'année à Dieu, on va briser les alliances. Ils m'ont promis ici que toi, on t'aura. Vous n'avez peur de rien? Je prends le vol, je pars en Afrique du Sud, dans la famille. Le matin, je me suis dit, bon, ça va, il faut faire la monnaie pour payer les minéraux. Mais ils m'ont promis déjà ici qu'ils vont m'agresser. Mais ils ont fait une erreur. Ils n'ont pas su que l'armée c'est seulement tout. Et ils avaient fêté déjà que c'est fini. Le monsieur va rentrer ici. Qui peut tuer un enfant de Dieu? Qui peut mettre fin à ta vie? Qui peut mettre fin à la vie de ton enfant? Qui peut mettre fin à la vie de ton mari? Personne. La vie de ta femme? J'ai vécu cela physiquement. Ils m'ont promis cela ici. Et ils s'étaient organisés pour m'abattre aussi. Pendant que mon fils conduisait, moi j'étais devant, l'autre fille derrière. Vers 10h du matin, c'était une voiture neuve derrière nous qui faisait des phares. 10h du matin. En pleine vie, s'il vous plaît. Parce que c'était le monde de ténèbres. On peut vous envoyer même les agents du monde ténèbres qui portent des tenues et ils viennent dire qu'ils sont. Les agents de l'ordre pour vous arrêter. Mais comme l'enfant habite là-bas, il croyait que non, c'était la police. Et également, il s'est arrêté. Je vois quelqu'un descendre comme ça en culotte. Il vient devant l'ordre là-bas. Monsieur, descends. Vite, j'ai compris que je vais faire des bandits. Armé comme ça, je vais faire à des bandits. Ok, ils m'ont pris, ils m'ont mis dans leur véhicule. L'autre fils aussi m'a suivi là-bas tout comme ça. Il y avait des armes là-bas aussi. C'était le plan du monde ténèbres, on envoie des gens. Pourquoi tu es en train de prier sur les gens? Mais moi, j'ai un mandat du ciel. Ce n'est pas moi qui libère les gens. Et ils m'ont promis ici que je vais rentrer ici dans un cercueil. Mais ils ont oublié que l'armée céleste m'entoure et m'entourera toujours partout. Ils m'ont fait circuler là-bas. Il voulait que j'aimais tout l'argent que j'avais. Bon, moi, on m'a caboté. Mais quand je les ai vus, j'ai dit, ok, ça y est, ils sont là. J'ai seulement demandé l'intervention de l'armée céleste. Ils ont. Et après, on a fait tout avec, je crois, 10-15 minutes après. Ils se sont quittés. Descendez, allez, 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 allez. Ils nous ont ramené là-bas. Où est l'enfant là-bas? Ils nous ont ramené là-bas. Où est mon nom? Mouyibi, bandit. Abonne-moi, Bélé. Ah, Azuka, vous pensez à moi, Moukéwanga.
Hein? Bukita. Parce que le Seigneur avait intervenu. Amen. Il intervenait également en ta faveur. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Pendant que tu viens la prière ici, tu n'es pas n'importe qui. Demandez l'onction de Dieu. L'onction du Saint-Esprit. Tu verras que tu seras quelqu'un qui va impacter partout. Tu seras, tu iras. Et tu feras toujours et toujours, toujours la différence. Amen. Ta vie est entre les mains de Dieu. L'apôtre Paul, quand il a rencontré la lumière du Seigneur, sa vie n'était plus restée la même. Et quand nous voyons encore le livre des Actes, bien aimés, 19, 36 à 43, la guérison, n'est-ce pas, d'un boiteux, là où la science était limitée. Et là où la science ne pouvait rien faire, mais avec l'onction du Saint-Esprit, la déclaration a remis les eaux en place. Amen. Encore, vous pouvez bien aimer, vous pouvez voir dans Actes 3, de 1 à 16, il y a eu beaucoup de guérisons des malades, de ceux-là qui étaient malades, de ceux-là qui étaient envoûtés ou. Dans la médecine, on n'a pas de machines ou de microscopes pour tester des esprits impurs. Mais avec l'onction du Saint-Esprit, les esprits devaient quitter le corps des gens. Parce qu'ils avaient reçu l'esprit que Jésus-Christ avait promis, le consolateur, l'esprit de vérité. Et puis, comme on voit bien aimé, dans Actes 5, c'est beaucoup de choses. Vous voyez également, bien aimé, la guérison de la pour Dorcas, d'Actes 9, sur 36, tu vas voir, Actes 9, où Dorcas était remis à la vie. Est-ce que Dorcas, qui a prié pour Dorcas, c'était qui? Daniel. Pierre. Jean. Pierre. Matondo. C'était qui? Qui croit qu'il est un enfant de Dieu ici? Qui croit qu'il est réellement un enfant de Dieu? Qui aspire à être rempli également de la grâce et de l'action? Ça doit commencer par avoir ce désir là d'abord. Et ta vie sera impactée. Toi aussi, tu vas impacter la vie. Tu vas impacter ton environnement. C'est la grâce d'aujourd'hui. Pour ceux qui sont prêts, ils vont recevoir cette grâce. Chantez-moi un chant là, inspiré, s'il vous plaît. Parce que vous avez terminé 42 premiers jours. Vous devez être revêtu aujourd'hui d'une grâce particulière, de la protection, pour que l'onction du Saint-Esprit vous transforme et que vous puissiez être gardé à marcher dans la victoire. Et pendant que la chorale chante, levez-vous et repentez-vous, demandez la grâce de Dieu que vous soyez localisé pour que l'Esprit du Seigneur soit sur vous afin de vous guider, afin de vous orienter, afin de vous décharger le plaisir de ce monde. Merci. Merci. Maintenant qu'on chante, lève-toi dans le I'm not afraid.
l'onction peut transformer beaucoup de choses dans votre vie. Là où il y avait la maladie, est-ce il y que la guérison. Maladie. Ça commence déjà. Là où il y avait la maladie, il y aura la guérison. Là où il y avait les échecs, il y aura la réussite. Hein? Là où il y avait le célibat, il y aura les mariages. La sérénité, il y aura la fécondité. Amen. Là où il y avait le problème dans le foyer, il y aura la restauration et la paix. Amen. Là, il y avait des blocages, Dieu va libérer. Amen. Si tu avais une vie attachée à l'alcool, si tu crois, Dieu va changer ta vie. Attaché à la cigarette, Dieu va changer ta vie. Attaché au désir, Dieu va changer ta vie. Amen. Et s'il y avait des blocages, même dans ta vie, amen, Dieu va libérer beaucoup de choses. Qu'est-ce qui ne va pas? Boringuité pour la nuit. Hein? Dieu fera grâce pour ceux qui seront prêts. Parce que l'onction du Saint-Esprit est là. Je vais déclarer. Et si Dieu permet, je vais imposer la main sur chacun pour céder celui. T'es bien. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Hein? Là où il y avait des blocages, Dieu va libérer les dossiers. Là où il y a le chômage, Dieu donnera du travail à cause de l'onction. Hein? Seigneur, que je disparaisse devant ce peuple, Père. Et que seul toi tu apparaisses. Mais c'est là pour la gloire de ton royaume. Merci parce que tu as permis qu'on t'aime hier les calendriers premiers jours. Mais de nous-mêmes, il sera difficile de maintenir la grâce sans toutefois, Père, ton intervention. Ainsi, je demande ce premier jour, après les 42 jours, Père Céleste, d'assister ce peuple. Nous assister, Père, de ne pas tomber. Et qu'avec l'onction du Saint-Esprit, que nous puissions être protégés, dirigés et revêtis cette grâce. Amen. Afin que nos ennemis sachent que tu es Dieu, tu resteras Dieu. Et que merci Père, parce que partout nous irons, nous allons impacter. Amen. Dans tous les secteurs de notre vie. Pour que le monde sache que tu es Dieu. Merci Père. Que le ciel s'ouvre ici. Que le ciel s'ouvre ici. Que le ciel s'ouvre. Et que ta grâce descende. Merci Seigneur, que ta grâce descende. Merci Seigneur, que ta grâce descende. Amen. Merci Seigneur, que ta grâce descende. Amen. Une visitation divine qui va localiser tout un chacun. Amen. Avec la lumière du Saint-Esprit, Seigneur. Et pas comme nous sentons, tata. Partout où les portes étaient fermées. Est-ce que nous les portes seront ouvertes. Écoutez, on est au fond. Là où il y avait des maladies, Père, ça sera la guérison. Est-ce que vous connaissez dit, tata, le biko et kouya? Là où il y avait des problèmes, Père, il y aura la solution. Que ce soit pour eux, pour leurs membres de famille, pour leurs enfants, pour leurs femmes, mari, la grâce de Dieu sera là. Amen. Merci, Père. Que le monde sache que tu es Dieu et que tu as permis ce jour. Merci parce que tu permets que j'impose ma main sur chacun d'eux afin de céder cette grâce-là. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Pendant que vous êtes debout, continuez-moi de chanter là-bas. Et protocole, passez-moi chacun ici. Merci pour ta grâce. Il y aura des choses qui vont se passer dans vos vies, qui vont bouger des choses, qui vont bouger. Merci pour ta grâce.
baisa puis parce que ils ont grâce. Oh bah il le bateau soit grâce ouais. Hein? Vous recevez encore plus que ceux qui ont reçu hier. Tu as commencé aujourd'hui. Ma baisa puis hein? Elle a fauté banane ma baisa. Qui te dit que regarde déjà? Hein? C'est Dieu qui a joué, c'est pas moi. Hein? Les lois a premier jour après 42 jours. Hein? Et là spécial. Hein? Bon, tu me rappelles Nani, Nana, Yana, 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 Nous avons ce pelanga ici. Ah. Hein? Bon, Dieu a permis que je leur impose les mains, ma bézante. Hein? Il y a un besoin de regretter. Hein? Ce que tu as fait hier était bien. Vous savez que l'on vient s'en mouquer? Nous sommes à la gâteau. Nous sommes à la gâteau. Ces gens inutiles. Veulent tout avoir. Pourquoi? N'a posé question hier, n'a eu l'air qui vous a tombé à point d'un lien. Hein? Tu as compris ça, Bambo Kindoki? N'a pas eu Kindoki, gars? Arrête de les transmettre à ta sorcellerie. Sa famille. Hé, comment vous doutez où? La grâce est pour prier, pas pour tuer les gens. Tu peux demander comme beaucoup ça, mais comment bâtir? Tu as compris? Bango, bango. Oh bon abino, barbo ma, hein? Barbo abino, gagne vite, j'ai pris sur elle. Vas-y mon parent le poko, hein? Hein? Oui bien le gosse, tu sais très bien ce que tu as fait. Bon barbo nani, barbo abino. Pourquoi les as-tu transmis ta sorcellerie? Vous recevez la grâce, chantez s'il vous plaît. Mais tenez cela. Bye.
garçon. Hein? Vous serez à 7. Hein? Tu vois, c'est toi qui as fait comme ça. Hein? Ta maman s'appelle comment?
Maman Dori, lève ton nom, je kisse. Allez, appelle son âme. Maman Dori, lève ton nom, je kisse. Allez. La maman de plusieurs, lève-toi. Maman de plusieurs, lève-toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Allez, tout sur sa tête. Allez, lève-toi. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dori, lève-toi. Hein. Tu deviens un prophète, hein, de ton pas. Wow, Seigneur. Maman. On dit que aussi grâce de l'eau qu'on conserve au bout de tabana. Eh bien, hein? Amen. Eh bien, hein? Merci Seigneur pour ta grâce. Mais c'est maintenant. Seigneur, tu as été grâce à Zé de l'eau. Et Zambou le nez à ma tatoli. Pour la bande au pessier de mon. Arbota bassi pémibani. Nguya mokota monde la ténèbre contrôlée yé. Et c'est la boutou tomoy. Et c'est à côté à Badela. Et c'est à côté à votre tata, votre maman. Et ça l'est confirmé aujourd'hui. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Protection. Vous avez reçu une grâce qu'il faut protéger aujourd'hui. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Ah, est-ce que vous avez besoin de vous? 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 Vous avez besoin de grâce. Ok. Merci pour ta grâce. Tout le maillage. Quand c'est le maillage, vous avez besoin de Ribal. Oui, on l'a eu. Hein? Attends. 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 Que le Dieu de toute grâce vous bénisse. Maintenez cette grâce dans la prière et ne manquez pas au service. Que le sang de Jésus vous couvre et que l'onction reste permanente dans votre vie. Que cela puisse impacter tous les secteurs de votre vie. Et que toute gloire soit rendue à l'Éternel Dieu Tout-Puissant.
que les moyens de transport également soient assurés, la protection sur votre chemin de retour. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.